Europe. Une attaque inattendue du groupe terroriste La Voix Extérieure, dirigée par la célèbre Dani Nakamura. Ah, ça suffit. On a du travail. Centre de contrôle du hangar Callisto pour l'UJC Germain. Vous avez franchi le périmètre de sécurité. Bien reçu, contrôle. Je maintiens le cap sur la station Europe. Un truc à dire ou tu vas jouer avec ce truc toute la journée? Regardez ça. C'est notre dernière mission, Max. Et la discussion s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Merci, peut-être. Parce qu'après ce boulot, on n'aura plus jamais à travailler de notre vie. T'as tout prévu, à ce que je vois. Ouais, faut croire. Mais c'est quoi, ça? Hein? Tous ces allers-retours de Callisto à Europe et la sécurité supplémentaire? C'est l'une prison, Max. La sécurité, c'est leur boulot. Et les attaques, hein? Comment t'expliques ça? Par la voie extérieure? Mais ça fait 6 mois qu'ils attaquent des cibles dans tout le secteur. J'ai une alerte jaune dans la soute. Oh, c'est sûrement rien. On devrait quand même vérifier. Tu devrais pas t'inquiéter autant. Tu vivras plus vieux. Les capteurs à bâbord et à tribord montrent tous les deux des erreurs. Va les vérifier. J'y vais. Journal personnel. On est arrimé au hangar Callisto, confiné à nos quartiers pendant qu'ils chargent la cargaison. Max est sur mon dos à propos de cette job pour Europe. On a déjà eu ce genre de boulot. Je sais pas pourquoi il stresse autant maintenant. Je veux dire, c'est juste un job. On fait profil bas, on la boucle, et voilà. Vérifie le reste du vaisseau. Enfoiré. Aucun souci ici. Je devrais aller voir. Ma
On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? On a été abordé. Eh hey, merde. La voie extérieure? Ouais, j'imagine. Ok, ramène ton cul ici. Et fais gaffe, il pourrait être n'importe où. Ok, on va vous sortir de là. Le manifeste dit que vous preniez des marchandises du hangar. On n'a pas beaucoup de...
freelance par ici. Je fais que mon boulot. C'est sûr. Régulateur thermique activé. C'est le premier vaisseau que je perds. Il a été abordé par... Lâche-moi! C'est elle qui... Calme-toi un peu, le pilote. Tu fais ton travail, laisse-moi faire le mien, d'accord? Monsieur? Oui, monsieur. D'accord, entendu. Prends-le aussi. Hey, vous faites quoi, là? Hey! J'ai rien fait du tout! Qu'est-ce que tu regardes, putain? Silence. Il est bien trop tard pour ça. D'accord. Les détenus ne parlent pas, à moins qu'on leur adresse... Attendez, c'est une erreur. Je m'appelle Jacob Lee. Je suis pas un prisonnier. Les détenus... 532-521. Et tu t'adresseras à moi en tant que capitaine Ferris. Non, non, non. Je suis qu'un pilote de cargo. J'ai été attaqué par la voie extérieure. C'est elle! Elle a fait écraser mon vaisseau et tuer mon premier lieutenant. Je suis sûr que le directeur est impatient d'entendre. Ça. Ah. Quand on parle du loup. Le choix. Chaque choix dans votre vie vous a mené ici. À ce moment. À cet endroit. Le seul endroit auquel vous appartenez vraiment. Pour trouver la seule chose qui a toujours manqué. Un but à votre vie dénuée de sens. Je suis le directeur Cole. Et ensemble, nous trouverons ce dessin. Bienvenue à la prison de Black Iron. J'adore la dernière partie. Ça me donne des frissons à chaque fois. Terminus, debout. Détenu, je vous ai donné un ordre direct. C'est une erreur, j'ai rien à faire ici. Écoute. Tu sais qu'on appelle Callisto la lune morte. Morte. Tout comme tu l'aurais été si je t'avais pas sorti de cette épave. Je veux dire merde, pour les autres, t'es mort. Il est temps que tu passes à autre chose. Parce que tu entres dans un nouveau royaume. Non. Mon royaume. Non. Alors tout ce à quoi tu t'accroches, c'est ton ancienne vie. Tu dois l'oublier. Parce que ta nouvelle vie est entièrement entre mes mains. Alors lève-toi, t'es pas. Ok, bon là. Et allons-y. Vous entrez dans la prison de Black Iron, une division des établissements pénitentiaires de l'UJC. Passez immédiatement au traitement des nouveaux détenus. Hé ! Arrêtez ! Hé ! Attendez ! Non ! Non ! Vous pouvez pas ! Détenu 532-521. Je suis le docteur Kathleen Malheur. Et selon l'article 412 du code pénal de l'UJC, vous allez être équipé du corps. Il n'est pas enregistré, docteur. On ne sait pas... Préparez-moi l'appareil. Quel appareil ? Cet appareil ! Vous êtes un putain de docteur ! Oui, non ! Et j'ai bien l'intention de m'acquitter de mes responsabilités. Ne bougez pas, ça ne fera qu'en tirer les choses. Allez vous faire foutre ! Docteur, il est en arrêt cardiaque. Injecteur.
pas un exercice. Gardez votre calme. Il n'y a rien à craindre. C'est quoi ce bordel? Il y a un truc qui cloche. C'est la moitié de ma vie ici, je connais cet endroit. J'ai un plan pour me tirer. Si tu m'aides à sortir d'ici, je t'aiderai, ok? Tu peux utiliser ça pour entrer dans la salle de contrôle de l'autre côté du pont. Tu peux ouvrir ma cellule de là-bas. Au fait, moi, c'est Elias. Jacob. Le père pas Jacob. Ça pourrait te sauver la vie. Et me laisse pas en plan.
portée HS, la console répond pas. Là-bas, j'ai vu quelque chose. Ça m'a attaqué. Ça avait pas l'air humain. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que j'ai vu. Cet endroit peut vraiment te rendre dingue, mais on a une chance. Quoi que t'aies vu, c'est une raison de plus pour foutre le camp d'ici. Tu vois la tour de garde? Ouais. C'est notre premier arrêt. Retrouve-moi là-bas. Comment? L'ascenseur est de ce côté. Prends-le jusqu'au niveau suivant. Je te recontacte. Compris. Anomalie détectée. Jacob, tu m'entends? Oui. Mais comment? J'ai activé les communications bidirectionnelles avec ton corps. T'apprends des trucs quand t'es ici depuis aussi longtemps. Ah, je vois que t'es arrivé au mont de charge. Descends et trouve l'ascenseur à ce niveau. D'intervention sont priés de se mobiliser. Elias, il y a un problème avec l'ascenseur. Je descends au lieu de monter. Merde! Ça veut dire que tu te diriges vers le mitard. Tu peux toujours atteindre la tour de garde, juste par le chemin le plus long. Mais fais gaffe, s'il te plaît. Ils gardent les plus allumés en bas.
putain. Un de mes potes. Je le connaissais depuis des lustres. Il était transformé en ce truc. Il m'a attaqué. Non. Non, mais... J'ai dû le descendre. Descendre ce truc. C'est quoi ce bordel? On finira par s'en sortir malgré ce détour. Il y a une armurerie juste après l'infirmerie. Un bon endroit pour s'équiper. Mais tu vas devoir faire gaffe. Les unités de sécurité sont de nouveau en ligne. Les systèmes de la prison sont en train de tomber en rade comme l'ascenseur là-bas. Reste en dehors de leur ligne de mire et ça devrait aller. Force létale autorisée. Ne pas se faire repérer. Je dirais que j'ai le champ libre.
personnel, Dr. Caitlin Mallor. Je suis arrivée à Black Iron aujourd'hui. J'ai rencontré Cole pour la première fois. Il m'a autorisé à reprendre le programme. Ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en mon équipe. Ils sont, comme moi, pleinement conscients de l'opportunité qui nous attend. Jacob, ça se complique ici. T'en es où? Je suis arrivé jusqu'à l'infirmerie. Je cherche encore l'artillerie. Ok, c'est bien, tu te rapproches. Continue comme ça. Let's go.
T'as trouvé quelque chose, Jacob ? L'armurerie a été pillée. Il ne reste plus que cette espèce de matraque. Une matraque électrique, ouais. Ces trucs ont du punch, tu sais. Et on va en avoir besoin. Écoute, t'es presque à la tour de garde. Je me suis faufilé, mais c'était vide. Donc ça devrait aller pour toi. On se retrouve à la tour. Ouais, on se retrouve là-bas. Attention, attention, attention.
Attention. Oh.